Et je peux vous dire une chose, c'est que le combat que nous tenons pour sauver la forêt des Hirondelles est un combat pour tous les Québécois. Oui, monsieur. Et je voulais également ajouter ceci de très important, c'est que s'ils réussissent à détruire cette forêt, c'est tous les Québécois qui verront leur forêt saigner à blanc pour ce 1% de la population. Tout à fait. En espérant évidemment qu'il y aura quelques personnes du personnel du bureau régional de l'NDEP qui vont prendre en note notre indignation devant ce qui se passe au sujet de nos milieux naturels. Il n'en reste plus dans la grande région métropolitaine. Ce qui reste, il faut les conserver pour nos enfants et nos petits-enfants. Ouais, la forêt des Hirondelles est enclavée dans le parc national. Alors tout ce qu'on va gruger dans le parc, c'est d'appauvrir un bien commun. Écoutez, de quelque manière que ce soit, d'après cet article-là, le ministre Arcand a tous les pouvoirs pour faire arrêter les travaux et pour protéger les espèces qui sont présentes dans la forêt. Donc, on demande au ministre Arcand d'être rigoureux, de faire appliquer ses propres lois et de préserver nos milieux naturels. Aujourd'hui, on est ici pour interpeller le ministre Arcand. On demande au ministre Arcand d'être rigoureux dans l'application de ses lois. En 89, on a jugé qu'il était nécessaire de mettre en place une loi pour préserver les espèces menacées et vulnérables. Aujourd'hui, dans la forêt des Hirondelles, ces espèces-là sont présentes et on demande au ministre Arcand d'être rigoureux et d'appliquer ses propres lois. Si le ministre Arcand n'est pas capable d'appliquer ses lois, on peut se poser beaucoup de questions sur l'avenir de notre environnement. Aujourd'hui, on vit à crédit. C'est nos enfants qui vont devoir payer la note dans quelques années et c'est inacceptable. J'ai avec moi Tommy, mon petit, qui a fait un travail merveilleux en Montérégie dans la préservation des milieux naturels et David Fletcher aussi qui travaille fort auprès de la Coalition verte. Depuis plusieurs mois, on travaille fort ensemble pour préserver ce beau milieu-là. Et je vais laisser d'abord la parole à Tommy pour vous adresser quelques mots. Ah oui? Bravo, Tommy. Merci. Ben, c'est pas une affaire d'un citoyen, là, c'est une affaire de groupe. Et c'est extraordinaire ce matin que des gens de La Prairie, de Saint-Jean, de Belleuil, de partout, Saint-Hyacinthe, Richelieu, allez! Il y a des gens de partout qui sont ici pour dire à M. Arcand, à M. Charest et à M. Massicotte, votre projet, on n'en veut pas! Non! La destruction des milieux naturels, c'est assez. Et la forêt des Hirondelles, ce n'est que les symptômes d'une hémorragie qui se produit partout à travers le sud du Québec. Monsieur Charest, M. Arcand, mettez vos culottes parce que nous, on est là pour vous surveiller et on ne lâchera pas. Merci. Ouais! Je vais vous passer mon collègue David Fletcher. Pour la version anglophone, francophone. C'est un type extraordinaire qui milite depuis 30 ans pour la protection des milieux naturels. Donc, je remets le micro à M. David Fletcher. Merci. Merci. A word or two in English to Mr. Arcand. Mr. Arcand, the government of Quebec in 1992 endorsed the federal signature on the Convention on Biodiversity. You have an obligation that is international. You have an obligation that is global. The Forêt des Hirondelles is a part of the heritage of Quebec, but also it's a part of the global heritage. In places that are pristine, in places that have species at risk, you cannot honor your government's obligations internationally and to the people of Quebec by destroying a place like the Forêt des Hirondelles. Do something to honor
the people of Quebec, do something to honor your commitment and do it now before it's too late. Chacun des groupuscules, finalement, se donne des missions par rapport aux qualités de chacun des membres. Par exemple, le 99 Québec, eux misent sur l'action directe, apporter des bras et des jambes pour les manifestations, puis apporter surtout des films, apporter des images. Peut-être que nous vivrons notre printemps québécois. On va le vivre. J'espère que ça s'en vient. Assurément. Alors que pour ce qui est de l'Occupant Rive-Sud, nous, on essaie de plus aller sur l'éducation populaire, donc se regrouper entre nous et s'informer les uns les autres. Qui fait la manifestation au Parc Saint-Marc. Oui, tout à fait. Devant le marché de Noël. Oui, on voulait marquer notre naissance officielle dans un lieu qu'on trouvait... Et savez-vous ce que j'ai aimé? En dépit de la présence de cette organisatrice qui voulait vous chasser ou même des policiers, c'est le langage très pacifique que vous avez utilisé en face des forces de l'ordre. Et ça, pour moi, ça m'a rappelé, parce que j'ai lu Gandhi il y a très, très longtemps, cette résistance de la conscience vive, hein, sans armes, plein d'amour. Ça, là, pour moi, ça m'a rappelé. Il faut y croire. Hein? Oui. Là, on est dans le domaine des croyances. Oui. C'est ce que je dis. On peut croire au néolibéralisme, mais on peut croire aussi au pacifisme. Absolument. Alors, moi, je crois au pacifisme. Bravo! Et voilà. On en a assez de voir cette destruction-là du riz et nous allons tout faire pour que la forêt des hirondelles soit protégée. Merci. Merci à vous!